Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une série de forces spécifiques avec du travail de vitesse. Pour faire ça, nous allons effectuer 10 séries de 20 secondes à cadence 36, puissance maximum, avec à chaque fois 3 minutes de pause. La série va durer au total 40 minutes, avec 3 minutes d'échauffement à cadence 16, 20, puis 24. Ensuite, une première série d'échauffement de 20 secondes à cadence 32 en souplesse. Et après ça, nous allons alterner chaque fois 3 minutes de travail technique complètement sans force avec 12 coups, soit 20 secondes, cadence 36. À la fin de la séance, nous terminerons par 3 minutes de retour au calme progressif à cadence 16, 20, 24 en souplesse. Je vous propose de démarrer. 1 minute cadence 16 sans force. Bien l'amplitude avant. On bascule les épaules en arrière, on bloque les jambes. Et on touche le corps avec la poignée chaque fois. Dans 15 secondes, nous attaquons la deuxième minute d'échauffement. Cadence 20 pendant 1 minute. Cadence 20 en souplesse maintenant. Toujours l'amplitude avant, l'amplitude arrière. Beaucoup de relâchement. Secondes, nous passons 1 minute à cadence 24. Toujours en souplesse, échauffement. Cadence 24, maintenant. Longueur avant, longueur arrière. Amplitude et relâchement. On s'échauffe en souplesse. Et on respire. On souffle sur l'arrière. Dans 30 secondes, nous allons effectuer la série d'échauffement à cadence 32. En 10 secondes, 10 coups à cadence 32, en souplesse, c'est parti. Et on relâche. Bras corps. Sans force, 1 minute. Jambes bien tendues, on relâche les épaules, on s'étire loin devant, on garde la tête bien droite, complètement sans force. On s'étire très loin devant, on tractionne du bout des doigts en basculant le corps en arrière et la poignée touche le buste à chaque fois, on effleure le buste. Dans
Dans 15 secondes, on va passer en jambes seules, sans force, pendant une minute. Jambes seules maintenant, sans force. Bas du dos gainé. Et pour le relâcher, on sent le travail des jambes. Deuxième minute de pause. Complètement sans force, on garde son énergie pour la première série qui va arriver. Bas du dos gainé, les reins légèrement creusés, les épaules, les bras, les avant-bras totalement relâchés. Sans mouvement des jambes, uniquement des jambes. Le dos est en soutien, les bras, les épaules sont totalement relâchés. Dans 10 secondes, on passe pour une minute en longueur, cadence 16, sans force. Longueur maintenant. Troisième minute de pause. On se décontracte totalement. On s'étire loin devant. On bloque les jambes sur l'arrière, on bascule les épaules et on touche le corps avec la poignée. Dans 30 secondes, on attaque la première série de 20 secondes à cadence 36, puissance maximum. Dans 15 secondes. On se prépare pour une série de 12 coups. C'est parti, on pousse. Longueur, cadence 16, une minute sans force. On récupère, on se décontracte entièrement. Cadence 16, complètement sans force. Secondes, on passe en bras seul, sans force, pendant une minute. Toujours la récupération. Bras seul, maintenant. Deuxième minute de pause. On redresse le bas du dos, on se grandit, on s'étire vers le haut. On relâche les épaules et on tire du bout des doigts. Les épaules ne bougent pas. Juste les mains sur la poignée. Complètement sans force. Bas du dos gainé. On se redresse encore une fois. On se tient bien droit. Dans 15 secondes, on passe en jambes seules, sans force, pendant une minute. Pour l'instant, toujours le bas du dos, bien creusé, bien gainé, le dos bien droit. Jambes seules maintenant, sans force, une minute. Deuxième minute de pause. On se relâche. On sent les reins légèrement creusés, le bas du dos bien tenu, les bras, les avant-bras, les épaules complètement relâchées, et juste le travail des jambes sans force.
30 secondes, on attaque la deuxième série de 20 secondes à cadence 36. On se décontracte, on se relâche, on sent bien le mouvement, bas du dos gainé. Et on essayera de maintenir pendant la série. Dans 15 secondes. Pour 12 coups, cadence 36. Le prochain, on pousse. C'est parti. On relâche. Bras courts. Une minute. Sans force. La tête bien droite. Les jambes complètement verrouillées. Bien tendues. On s'étire et on tractionne du bout des doigts. Long devant, bascule arrière. Longueur devant, bascule arrière. Et complètement sans force. Traction du bout des doigts sans serrer la poignée. Dans 15 secondes, on passe en coulisse entière, cadence 16, pendant une minute, sans force. Longueur devant, on s'étire, la tête bien droite. Et coulisse entière maintenant, sans force. Deuxième minute de pause. Cadence 16, tout doucement, on s'économise toujours pour la série suivante. C'est du travail de force spécifique. Il faut s'économiser pendant les pauses. Secondes, jambes seules pendant une minute, sans force. Jambes seules maintenant. On gagne le bas du dos, on relâche les bras, les avant-bras, les épaules, décontractés au maximum, et on sent juste le travail des jambes sans force. Tout le reste du corps est soit gainé, soit complètement relâché. Dans 30 secondes, on attaque la troisième série, cadence 36, puissance maximum. On se relâche, on se décontracte, on s'économise, on sent le gainage du bas du dos. 15 secondes. On se prépare pour nos 12 coups cadence 36. Maintenant, on pousse. C'est parti. Bras seul, sans force, une minute. Bas du dos gainé, on se grandit sur la coulisse, on étire le buste vers le haut. Et on relâche bras, avant-bras et épaules. On sent juste la légère traction des mains, de l'attaque jusqu'au buste. Bras tendus, on touche le buste. On tend, on touche le buste.
dans 10 secondes, jambes seules, pendant 1 minute, sans force. On se redresse, on se gagne bien, et jambes seules, sans force, c'est parti. Deuxième minute de pause. Bas du dos gainé, haut du corps complètement relâché. Concentré sur le léger mouvement des jambes. On vient, on pousse, sans forcer. On trouve un point d'appui tout de suite devant. On pousse légèrement. Dans 15 secondes, longueur cadence 16, 1 minute sans force. Bas du dos gainé. Épaules relâchées, jambes seules toujours, et longueur maintenant, sans force. Troisième minute de pause. On s'étire loin devant, on bloque les jambes derrière, on masque les épaules et on touche le corps avec la poignée sans forcer. En secondes, on attaque notre série de 20 secondes, cadence 36, puissance maximum. On se relâche dans 15 secondes. On se prépare pour nos 12 coups cadence 36. C'est parti, on pousse. Voilà. Raccord. 1 minute sans force. Tête bien droite. On s'étire loin devant. Ce buste, on amène la poignée au corps. Et chaque fois, on effleure le buste derrière. Dans 15 secondes, on passe en jambes seules, sans force, pendant 1 minute. Jambes seules, maintenant. Bas du dos gainé, épaules relâchées, et pousse. On revient dessous. Juste le travail des jambes. Bas du dos gainé. Épaules, bras et avant-bras relâchés. Sur le travail des jambes. Dans 15 secondes, longueur cadence 16 pendant 1 minute, sans force. Longueur maintenant, sans force. Troisième minute de pause. On s'économise, on laisse remonter les réserves d'énergie intramusculaire
pour la série suivante. 30 secondes, longueur, cadence 36, puissance maximum. Dans 15 secondes. On se prépare pour nos 12 coups puissance maximum. Et là, on pousse. C'est parti. Voilà. Longueur sans force, cadence 16. Une minute. On se décontracte au maximum. Tiens la poignée du bout des doigts pendant la traction et on retourne. On juste l'amplitude et le relâchement. Dans 15 secondes, on passe en bras seul, dos bien gainé, pendant une minute sans force. Bras seul maintenant, sans force. On se grandit, on étire le buste vers le haut, les épaules ne bougent pas, c'est juste la traction des bras. On tend les bras, on tire du bout des doigts. On tend, on tire, on tend, on tire. Maximum de relâchement, gainage du bas du dos toujours. On passe en jambes seules, sans force, pendant une minute. En attendant, on creuse les reins, on redresse le dos. Et on tire du bout des doigts. Jambes seules, maintenant. Bas du dos gainé, épaules relâchées. Travail des jambes. Troisième minute de pause. En seconde, on attaque notre série à cadence 36, puissance maximale. On se relâche, on se décontracte, on sent le gainage du bas du dos et le relâchement des épaules et on maintiendra ça pendant la série. Dans 15 secondes. Dos bien gainé, on se prépare pour nos 12 coups cadence 36. Maintenant, on pousse. Relâche. Et on passe en braqueur sans force. Une minute. Relâchement maximum. C'est qu'il y a loin devant. On respire, on s'écale loin devant, tête bien droite. On redresse le dos, on amène la poignée jusqu'au buste. Dans
15 secondes, longueur, cadence 16, sans force pendant une minute. On s'étire, on tire, on s'étire, on tractionne. Longueur maintenant, cadence 16, sans force. Deuxième minute de pause. Décontraction maximum. Jambes tendues sur l'arrière, on envoie les mains en place au corps, on laisse revenir doucement. Pas du dos bien gainé, épaules relâchées. Secondes, on passe en jambes seules, sans force, pendant une minute. Jambes seules maintenant, sans force, la vie de gagner, épaule relâchée, concentré sur le travail léger des jambes. Troisième minute de pause. Dans 30 secondes, on attaque notre série cadence 36, 20 secondes, puissance maximum. En attendant, pas du dos bien gainé, épaules relâchées, léger travail des jambes. Dans 15 secondes. On tient son bas du dos bien gainé, on se prépare pour nos 12 coups. Et maintenant, c'est parti, on pousse. Et on tire, bien fort. Et on relâche. Trois seuls, une minute. Sans force. On choisira une seconde vie. On se grandit, on relâche les bras, les épaules, les avant-bras et on tire au niveau des doigts. On creuse les grains, on se grandit sur le siège. Le dos est bien droit, les épaules ne bougent pas. Dans 10 secondes, on passe en jambes seules, sans force, une minute. Jambes seules, mains. Pas du dos gainé. Épaules relâchées. Travail des jambes. Les mains sont juste posées sur la poignée. On travaille du bout des doigts. Les bras sont complètement relâchés. En seconde, on attaque notre série de 20 secondes, cadence 36, puissance maximale. Bas du dos gainé, épaules relâchées dans 15 secondes. Dans 15 secondes, longueur cadencée sans force. Longueur, sans force.
30 secondes. Longueur, cadence 36, puissance maximum. On se relâche, dans 15 secondes on accélère. On se prépare pour nos 12 coups puissance maximum. Le prochain on pousse, c'est parti. 12 coups. Voilà. Raccord sans force. Une minute. Jambes bien tendues. Bascule les épaules avant-arrière. Tête bien droite. Relâchement, les jambes bien tendues, hyper extension sur l'avant, et on ramène bien la poignée jusqu'au buste derrière. Dans 15 secondes, longueur, cadence 16, 1 minute sans force. Longueur, sans force, maintenant. Badillot toujours gainé, épaule toujours relâchée. On en profite. Amplitude et relâchement. Deuxième minute de pause. Seconde, une minute, jambes seules, sans force. Jambes seules, sans force, maintenant. Bas du dos gainé, tête bien droite, épaules, bras, avant-bras et mains relâchées. On sent le travail des jambes. Le buste gainé et le mouvement des jambes léger. Troisième minute de pause. Dans 30 secondes, on attaque notre série de 20 secondes, cadence 36, puissance maximum. Pas du dos bien gainé, épaules relâchées, on sent le travail des jambes en attendant. Reste bien concentré. 15 secondes. On maintient le gainage du bas du dos. On se prépare pour nos 12 coups. Attention. Le prochain, on pousse. Maintenant. Sans force, une minute. On redresse le bas du dos. On creuse les reins, on se grandit sur la cuisse. On relâche tout le haut du corps. Action du bout des doigts, sans force. On cherche le gainage du dos. Dans 15 secondes, jambes seules, sans force,
une minute. Jambes seules, maintenant. Bas du dos gainé, épaule relâchée. Techniquement, c'est la thématique de la séance. Gainez le bas du dos, relâchez le haut du corps. Troisième minute de pause. Dans 15 secondes, 1 minute, longueur cadence 16, sans force. Longueur cadence 16, maintenant, sans force. Complètement décontracté. On se prépare pour la prochaine série, qui sera la 10e et dernière série à cadence 36, du sens maximum. On se concentre bien, on se décontracte. Relâchement des mains, des bras, des avant-bras. Gainage du bas du dos. Dans 30 secondes, la dernière série. On respire. On se relâche. On s'économise. 15 secondes. On gagne bien le bas du dos. On se redresse un peu. Et on se prépare pour le 12 derniers coups. Maintenant, c'est parti, on touche. On attaque la récupération. Complètement sans force. On respire bien, on reprend son souffle. Dans 15 secondes, longueur cadence 20. Longueur cadence 20, on assouplit un peu, on garde l'amplitude. On ne force pas, c'est de la récup. On cherche la longueur et la souplesse de l'enchaînement. On souffle bien pour dégager à la prise d'eau. Dans 15 secondes, on passe cadence 24, sans forcer pendant 1 minute. Cadence 24, le jeu maintenant. Dernière minute de récup. Il
bien relâché, bien enchaîné, sans forcer. Secondes. 15 secondes. On raccroche. Nous voilà arrivés au bout de cette séance qui mélange du travail physique, de puissance musculaire et de vitesse d'exécution. Travail physiologique, d'augmentation des réserves d'énergie intramusculaire. Et un travail technique pour bien sentir la dissociation entre le gainage du bas du dos et le relâchement du haut du corps et des bras. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous conseille de faire encore quelques minutes de récupération tranquille. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. À bientôt.